Our FIDE International judge for this match is Mr. J.P. Galeron. Monsieur l'arbitre, Monsieur Galeron sera l'arbitre de ce match pour cette troisième place. Bronze medal on target number one, Great Britain. Sur la cime numéro un, l'équipe de Grande-Bretagne, s'il vous plaît. Charlotte Burgess, Naomi Folkard and Allison Williamson. Competing for the bronze medal on target number two, People's Republic of China. Pour la médaille de bronze, sur la cime numéro 2, l'équipe de Chine, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Shen Ling, Guo Dan, and Zhang Zhuangzhuang. Twenty-four arrows will decide which of these teams win the bronze medal today. 24 flèches pour aller chercher cette médaille de bronze. China shooting first on target number two, as we're about to get started. C'est la Chine qui va attaquer avec première flèche tirée sur la cible numéro 2. Opening arrow for Team China, just out of the 10 ring, it's a 9. C'est un 9, très proche du 10 pour cette première flèche. Nine points. 9 sur la deuxième flèche. Points. 8 sur la troisième flèche, 26 à la volée. C'est au tour de la Grande-Bretagne. Commencer son match. Top rank British archer, Naomi Folkard on the line, target number one. Nine points. 9 points. Nine points from Allison Williamson. 9 points. Possibilité de prendre 2 points sur cette flèche. Si, c'est un 10. Seven points. C'est un 7. Un point d'avance pour la Chine après 3 flèches. Team China with a 1-point lead after the first 3 arrows. Still 19 shots to go. 21, actually. Just out of the 10, it's a 9. It's a 9, just à proximité du 10. Nine points. 9 encore. That is a 9. 3-9 pour les Chinoises. Potential 2-point lead for GBR on the next 3 arrows.
7 points. 7 points sur la première flèche. Minimum 1 point lead for Team China now. Dix points, on peut les applaudir, elles ont besoin de vous. And that is a nine. C'est un 9 sur cette dernière flèche. 53 pour la Chine, 51 pour la Grande-Bretagne, on attend la confirmation des arbitres, bien sûr. Très chaud. Solid shot at a 9 from Naomi Folkart. Très bien tiré avec ce 9. Alison Williamson with a 9. Canette encore pour Alison Williamson, grande archère anglaise. And Charlotte Burgess with an 8 on that shot. At the moment, GBR with 77 of a possible 90 on the board. And 15 arrows to go. Ms. Zhang, Team China, it's a 10! Un 10. C'est un X, elle est en plein milieu de la cible. Sur la deuxième flèche. Possibilité de prendre 3 points d'avance avec un 10. And a 6. C'est un 6. Donc la Grande-Bretagne reprend un point d'avance. And so GBR taking a 1 point lead with 15 shots remaining. Ten. 10 points bien tirés. Bonne façon de prendre l'emprise sur ce match. Olympic medalist Alison Williamson with an 8. Un 8. She knew just where it was too. Charlotte with an 8. C'est un 8 encore. She's grouping there. So now GBR with 103. China has a chance to retake the lead by 3 on the next 3 arrows. But not with that, that's a 7. C'est un 7. Team China could tie for the next 2 shots. Nine.
GVR minimum 1 point lead. At the halfway mark, with one arrow to go, take us to the half. And an 8, so GBR leads by 3 at the halfway mark. 3 points d'avance pour l'équipe anglaise. Allez, faut les applaudir, s'il fait chaud, c'est difficile. On a vu beaucoup de variations dans les tirs des équipes anglaises et chinoises d'ailleurs. Je crois que le vent il joue aussi pour quelque chose. Scores are official and on the board. It is a 3-point lead for GBR, so it'll be China shooting first as we continue. Chinoises vont entamer cette troisième volée. L'équipe de Chine, bien sûr, remontée pour les Jeux Olympiques. Nine points. C'est un 9 à midi, comme on dit. Points. 9 encore. And a 10. C'est un 10 sur la dernière cible. Peter, does your team have enough arrows to complete this end? Peter, does your team have enough arrows to complete this end? Nine. 9 points pour l'équipe anglaise. Nine. Possibilité de prendre 3 points d'avance sur cette flèche. Les scores sont confirmés, 2 points d'avance pour l'équipe anglaise. Arrow runners, please report to the field of play immediately. And that's an 8. S'il vous plaît, nous avons besoin des flèches, s'il vous plaît, rapidement. Demande aux jeunes Français de ramener les flèches dès que possible, s'il vous plaît. On en a besoin. Vite, vite. And that appears to be a 9, lost in the shadow, so I'm not sure which arrow that is. It looks like an 8 according to the spotter. C'est un 8 pour la troisième flèche chinoise. And
9. 9 points pour sa deuxième flèche. Just out. It's an 8. C'est un 8, 3 points d'avance pour l'équipe anglaise. It's a 3-point lead for GBR with 6 arrows to go. Il reste 6 flèches à tirer pour remporter cette médaille de bronze. Voilà, les scores sont confirmés, 3 points d'avance pour l'équipe de Grande-Bretagne. Allez, c'est leur dernière volée, il faut les applaudir, il faut les encourager, mesdames, messieurs. Les Chinoises qui vont commencer cette volée. China shoots a 9. C'est un 9. C'est la première flèche de l'équipe de Chine. That's a 7. C'est un 7 pour sa deuxième flèche. Elle ouvre une grande porte. 4 arrows to go for China. C'est un 10, sa dernière flèche vient rattraper cette volée. Nine points. 9 points pour la Grande-Bretagne. Possible 6-point lead for GBR in the next 2 arrows. Possible 5-point lead on the next shot. Avec un 10, la Grande-Bretagne serait devant par 5 points. That is a 7. GBR with a 2-point lead, 3 arrows to go. That's a 9. C'est un 9 pour la Chine. 2 arrows remaining for Team China. Il reste 2 flèches à tirer. Nine. 9 encore. 1 arrow to go for China. 3 arrows to go for GBR. Une flèche à tirer pour les Chinoises et 3 pour les Anglaises. Seconds on the clock, it is an 8. C'est un 8, il restait 3 secondes pour tirer cette dernière flèche. Final arrow from Naomi is a 9. C'est un 9. GBR with 2 arrows to go. And they'll need all 3 to settle this. Allison is
An 8. C'est un 8. Il faut un 8 pour gagner donc sur cette dernière flèche. Eight to win, and a nine. C'est un neuf. And GBR takes the bronze. Médaille de bronze pour l'équipe de Grande-Bretagne. Quatrième place pour l'équipe chinoise. Je vous demande de les applaudir comme il se doit. Star on Hollywood Boulevard, somewhere between Sharon.